Comme toujours, place maintenant au haul et je vous montre les quelques pièces que j'ai pris donc sur Shein. On commence du coup avec cette robe que vous avez découvert sur mon dernier post, que j'aime beaucoup avec le dos dégagé comme ceci, avec les bretelles croisées. Et surtout très confortable et très agréable pour cet été avec la longueur parfaite puisqu'on ne marche pas dessus avec ses chaussures. Donc voilà, elle est tout simplement impeccable et la couleur un peu terracotta rouille. Moi j'adore, c'est une de mes couleurs faves de l'été. On continue avec celle-ci que je portais hier. Elle est quasi identique à la précédente, hormis les bretelles qui ne se croisent pas à l'arrière et le fait qu'elle soit noire. Mais toujours au niveau de la longueur parfaite, vous pouvez le voir dans le miroir derrière. Elle ne tombe pas sur les chaussures, donc du coup, on ne marche pas dessus. Elles ne sont pas transparentes, donc très pratique parce que bon, on se fait souvent avoir. Donc du coup, voilà, encore une robe longue, mais pareil, toujours très confortable pour cet été. Celle-ci, j'adore la coupe, la matière toute douce. Elle est juste magnifique avec son dos nu. Elle est malheureusement transparente, je ne m'y attendais pas. Donc je suis un peu déçue parce que par contre, elle est hyper bien coupée. La longueur est très bien, la matière est très confortable, mais transparente. Donc pour moi, beaucoup plus adaptée pour une robe de plage. On continue le haul avec cet ensemble top et jupe. Avec un esprit très espagnol que j'adore. J'ai pris l'ensemble en taille S comme toutes les autres tenues d'ailleurs. Et après la jupe est très bien élastique, elle ne me compresse pas le ventre très bien. Cependant je peux aussi la porter en bas même si j'aime un peu moins avoir le ventre à l'air. Voilà, vous pouvez voir du coup dans le miroir au niveau de la longueur ce que ça donne. Je précise que c'est des tenues qui ne sont pas spécialement maternité, femme enceinte, pas du tout. Je les ai prises sur le site classique en surtaillant un petit peu. Et voilà, et j'aime beaucoup ces motifs. Et je trouve que pour une soirée d'été, c'est parfait. On termine les tenues avec cette petite robe pépite que j'adore, que je trouve absolument trop mignonne. Regardez-moi ce dos comme il est. Trop mignon. On a un voilage un peu dentelle à petits pois par-dessus qui lui donne vraiment ce petit esprit bohème que j'aime beaucoup. Donc ça la raccourcit un petit peu avec le ventre forcément. Mais par contre, je pense qu'elle a sinon une longueur très correcte, très jolie. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien le court de manière générale. Donc voilà, joli décolleté. Bref, je la trouve vraiment très mignonne et je suis complètement in love de ce dos. D'ailleurs, dans ma dernière commande, j'ai également pris des petits rangements spécial make-up. J'ai pris ces deux bacs, je ne sais pas trop comment expliquer, et celui-ci que j'adore pour mettre plein de petites palettes également. Donc voilà, c'est hyper pratique et surtout, ça fait un espace de make-up bien rangé.